Le dimanche est le jour des histoires racontées. Sur les épaules de papa, toutes tendrement logées, ou dans le creux du bras de maman gentiment bercé, petite Marie et sa famille longent le sentier qui va au village, qui va à la place du marché t'acheter des auvents colorés des boutiques, des étals et des cafés. Là, dans l'ombre de la belle église, posée parmi une volée de chênes vieux de 100 et 1000 ans. La haute église où Monsieur Ferdinand, le pasteur, raconte des histoires prodigieuses qu'il a le prodige d'arriver à rendre prodigieusement ennuyeuses. Des histoires belles qu'il arrive à vider de leur sève et de leur sang. Comment le monde a commencé? Comment les choses soudain sont? Comment Jésus parle et bouge et prend dans ses bras tant de gens? Et la parole hors de sa bouche et de son cœur à lui qui s'élance pour donner à chacun, pour sa vie, le sens, l'envolée et le goût du vivant. Mais non, Ferdinand ne sait pas raconter les épatantes histoires de la Bible. Et Marie, là, à nouveau, s'ennuie. Elle aime les chants et le sourire de tous les amis de ses parents, mais pas toutes ces belles histoires épouvantablement massacrées par Ferdinand. Marie se dit qu'elle voudrait pouvoir lire elle-même dans le beau grand livre recouvert de la fausse peau si fine d'un faux petit taureau sur du carton cousu. Laisser gigoter les mots dans sa tête, leur laisser tracer leur merveilleux sillon, tout le beau de ces mots qui émerveillent Marie. Mais elle ne sait pas le faire. Elle ne sait pas lire, alors que faire ? Comment semer un jardin où les mots pourraient au-dedans d'elles fleurir, bouger, sautiller leur envol comme le fin fil que tisse maman? Comment? Ferdinand est très terriblement très ennuyant. Sauf qu'un beau matin, où d'un coup, sans qu'on n'y comprenne rien, il devient soudain très magicien. Il dit quelque chose, juste un mot pour dire cette incroyable chose, et Marie sent son cœur et ses yeux et ses oreilles et son petit dos tout chaud soudain. Et la chose que Ferdinand dit, c'est un mot. École. Oui, il le dit. Avec un large sourire très étrange sur son vieux visage tout croustillé, il annonce à tous que là, plus loin, non loin de l'église de la place, dans une fine ruelle, s'ouvrira une école pour les petits comme Marie. Loin, deux chats et ses petits chatons. C'est là que petite Marie vit.